Maïmonide soutenait l'opinion en question et Spinoza semble avec une étrange témérité prendre Maïmonide pour le représentant de tous les théologiens. Il semble ici prendre pour cible de sa critique une position théologique effective pour la seule raison qu'il s'est trouvé l'avoir étudiée soigneusement pendant sa jeunesse. Le traité demeure largement inintelligible tant que les difficultés typiques illustrées par ces deux exemples ne sont pas résolues. Tâchons de montrer que l'on ne peut faire remonter ces difficultés à la circonspection de Spinoza et ainsi de manifester notre accord avec l'opinion que nous n'avons jamais contestée, selon laquelle l'exotérisme de Spinoza n'est pas le seul fait expliquant les difficultés du traité. Partons de l'observation qu'une certaine simplification de la question théologique était inévitable si Spinoza voulait vraiment la résoudre. Il effectue cette simplification nécessaire de deux manières différentes que nos deux exemples illustrent. Dans le premier exemple, il part de la prémisse implicite que toute théologie juive ou chrétienne éventuellement pertinente reconnaît nécessairement l'autorité, c'est-à-dire la vérité de l'enseignement développé dans l'Ancien Testament. Il suppose en outre que la véritable signification d'un passage quelconque de l'Ancien Testament se confond en règle générale avec sa signification littérale. Il suppose enfin que l'enseignement le plus fondamental de l'Ancien Testament est le récit de la création. Or, Moïse n'enseigne pas explicitement la création ex nihilo. La Genèse 1-2 semble plutôt montrer qu'il croyait que Dieu a fait l'univers visible à partir d'un chaos préexistant. Son silence complet sur la création des anges et des autres dieux suggère avec force qu'il croyait que la puissance de Dieu est sans doute supérieure à la puissance d'autres êtres, mais absolument différente. Pour exprimer la pensée de Moïse en langage philosophique, la puissance de la nature, qui est ce qu'il voulait dire par le terme de chaos, par quoi il comprenait une force ou un élan aveugle, est aussi vieille que la puissance de Dieu, une puissance d'intelligence et d'ordre. Et la puissance de la nature n'est donc pas dépendante, mais seulement inférieure ou soumise à la puissance de Dieu. Moïse enseignait que le chaos incréé précède dans le temps l'univers ordonné qui est l'œuvre de Dieu, et il concevait Dieu comme un roi. Il est donc raisonnable de supposer qu'il comprenait la subordination de la puissance de la nature à la puissance de Dieu comme la soumission de la puissance plus faible à la puissance plus grande. En conséquence, la puissance de Dieu ne se révélera clairement et distinctement que dans des actes dans lesquels n'intervient pas du tout la puissance de la nature. Si seul est vrai ce qui peut être compris clairement et distinctement, seule la manifestation claire et distincte de la puissance de Dieu sera sa véritable manifestation. Les phénomènes naturels ne manifestent pas la puissance de Dieu. Lorsque la nature agit, Dieu n'agit pas, et vice-versa. Il ne suffit donc pas pour manifester la puissance de Dieu que Dieu ait soumis et mis en ordre le chaos primordial. Il doit soumettre les dieux visibles, les parties les plus impressionnantes de l'univers visible, afin de faire connaître sa puissance à l'homme. On ne peut par conséquent démontrer la puissance de Dieu et partant l'existence de Dieu que par des miracles. Tel est le fondement de l'opinion grossière et vulgaire que Spinoza décrit avant d'attaquer la doctrine théologique concernant les miracles. Le théologien apparemment imaginaire auquel Spinoza pense lorsqu'il expose cette opinion n'est personne d'autre que Moïse lui-même, et l'opinion en question est censée être implicite dans la Genèse 1, un texte de la plus haute autorité pour tous les juifs et tous les chrétiens. Spinoza ne fait donc rien d'autre que rappeler à ses adversaires ce qu'il tient pour l'original de leur position. Comme la suite du traité le montre, il ne prétend en rien que ce rappel suffise à réfuter la doctrine traditionnelle sur les miracles. Pour conclure, notre exemple nous enseigne que Spinoza essaie de simplifier la discussion en remontant de la diversité des théologies au fondement qui leur est commun à toutes, la doctrine fondamentale de l'Ancien Testament. Pour en venir maintenant au second exemple dans lequel Spinoza identifie l'opinion de tous les théologiens à celle de Maïmonide, Spinoza part ici de la prémisse implicite selon laquelle toutes les positions théologiques ne sont pas d'importance égale. Il a certainement préféré le dogmatisme qui admet la certitude de la raison au scepticisme qui la nie. Le premier réduit la Bible à néant, autrement dit ne commet qu'une erreur historique, tandis que le dernier est destructeur de la raison. En d'autres termes, d'être humain, il fait des brutes. En outre, je tiens que Spinoza a rejeté, a éliminé l'opinion selon laquelle l'enseignement de la raison est purement et simplement identique à l'enseignement de la révélation, car de cette opinion, il s'ensuit que les philosophes au premier chef et indirectement tous les autres hommes n'ont pas besoin de la révélation, que par conséquent la révélation est superflue. Car un être parfaitement sage n'a pas besoin de choses superflues. Son attention critique s'est ainsi limitée à l'opinion selon laquelle l'enseignement de la révélation est en partie ou totalement au-delà de la raison, mais ne s'oppose jamais à la raison ou selon laquelle la raison naturelle est nécessaire, mais non suffisante pour le salut ou la perfection de l'homme.
Il a dû sur ce point faire face à l'alternative suivante. Ou bien le processus de la révélation est au-delà de la compréhension humaine, ou bien il ne l'est pas. Certains récits bibliques lui donnaient la conviction que le phénomène de la révélation ou de la prophétie est en principe intelligible, c'est-à-dire que la révélation s'effectue non pas directement par la volonté divine, mais par l'intermédiaire de causes secondaires. En conséquence, il lui fallait chercher une explication naturelle du fait que certains êtres humains, les prophètes, étaient les porte-parole d'un enseignement en partie ou totalement au-delà de la raison, mais jamais opposé à la raison. La seule explication naturelle en était que les prophètes étaient de parfaits philosophes, et plus encore que de parfaits philosophes. Cette opinion sur la prophétie, Maïmonide l'avait en partie explicitement énoncée et en partie suggérée. Lorsque Spinoza dit que tous les théologiens ont affirmé que les prophètes connaissaient tout ce que peut connaître un entendement humain, il simplifie par conséquent la question discutée en se limitant non pas à la position théologique qui était la plus facile à réfuter ou qu'il se trouvait précisément connaître le mieux, mais à celle qu'il considérait comme la plus raisonnable et donc la plus forte. Toutes les difficultés examinées dans les pages précédentes concernent les raisons par lesquelles Spinoza justifie les propositions pratiques faites dans le traité. Ces propositions sont elles-mêmes très simples. Si elles ne l'étaient pas, elles ne pourraient pas atteindre de nombreux lecteurs et partant, elles ne seraient pas pratiques. Ces propositions pratiques sont soutenues à la fois par le raisonnement apparent et par le raisonnement caché. Les propositions pratiques accompagnées du raisonnement apparent constituent la partie de l'enseignement du traité qui est destinée à tous les lecteurs. Il faut comprendre entièrement en elle-même cette partie de l'enseignement du traité avant de pouvoir mettre en lumière son enseignement caché.